Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans cet épisode 29 donc de Au Coin du DVD. Épisode 29 donc qui passe sur la lettre N. Une lettre dans laquelle je n'ai pas tant que ça de films étrangement euh, et dans laquelle aussi j'ai pas tant que ça de films si marquant que ça. Euh, quand je pense à la lettre N, j'ai tendance à penser à La nuit nous appartient de James Gray, qui est un film que j'aime énormément, euh, qui m'a beaucoup marqué. Et je crois que c'est une des premières œuvres devant laquelle je suis resté assez fasciné par la maîtrise, tout en sachant que c'est un film d'auteur, parce que je l'ai vu assez jeune. Et pour autant, il m'a suivi vraiment jusqu'à mon école de ciné de manière assez indélébile. Euh, je pense également à Des plaisirs coupables à la lettre N, à Nico, euh, avec ce cher Steven Seagal, qui est un film que je trouve. Assez réjouissant, malgré son étroitesse, sa facilité et un petit peu sa débilité. Mais à Sharon Stone, il n'y a pas à me et le pitch est assez marrant. Mais du coup, dans la lettre N, j'ai voulu sortir un film qui, je trouve, encore aujourd'hui, est vu d'un œil assez bizarre. C'est-à-dire que le film dont je vais vous parler aujourd'hui est réalisé par l'un des cinéastes, si ce n'est les plus détestés, en tout cas les plus critiqués actuellement à Hollywood. Euh, C'est également un film qui, lorsqu'il est sorti, a surpris énormément de monde. Parce que, en gros, il était calé entre deux grosses prods de cet auteur. Et ce film-là... Se voulait être un petit peu, je dirais pas le film d'auteur de ce réalisateur, mais en tout cas un film plus indépendant, euh, parlant d'un sujet un peu plus décalé et un peu plus loufoque, tout en étant ancré dans une certaine réalité qu'affectionne particulièrement le metteur en scène dont on va parler un petit peu là, parce qu'il s'agit du film avec la traduction française la plus pétée du monde, puisque No Pain No Gain de Michael Bay a pour titre original en réalité Pain and Gain, qu'à un moment faudrait que Paramount il se pose des questions lorsqu'il s'agit de traduire un film et d'en faire ça. Un film qui raconte l'histoire très simple d'un club de bodybuilder où trois de ses membres vont du jour au lendemain décider de kidnapper le chef d'une série de restaurants pour lui extorquer de l'argent parce que vu qu'il est juif, il pense qu'il est pété de thunes. Et c'est une histoire vraie. Et je ne sais pas quoi rajouter de plus si ce n'est que ce pitch est assez génial. Euh, pour être sincère, lorsque j'ai vu No Pain No Gain. Je me suis vraiment posé la question de est-ce que c'est une blague ou est-ce que Michael Bay a réellement décidé de nous proposer une œuvre qui sorte de l'ordinaire et qui épouse un style bien différent de ce qu'il a eu l'habitude d'aborder Parce que Michael Bay est un cinéaste du rêve américain. Dans le sens où, si vous regardez la plupart de ses films, il iconise énormément les États-Unis. Il a tendance à en faire des caisses, à mettre des drapeaux partout, à avoir une belle esthétique bien léchée, à montrer des, des vrais héros à l'américaine bien badass qui respectent pas trop les femmes et qui ont tendance à jouer un peu les kékés. Et donc, du coup, lorsqu'il a décidé de réaliser ce film, c'est un peu comme si Michael Bay avait décidé de dire le rêve américain que j'avais un petit peu porté haut dans les années 90. Est-ce que j'aurais pas envie de dire qu'aujourd'hui, il n'a plus de sens Et donc, il décide de raconter cette histoire, mais en l'ancrant tout de même dans les années 90. Ce qui est assez métaphorique. Et c'est assez surprenant, parce que si vous regardez la filmographie de Michael Bay, euh, que ce soit The Rock, que ce soit Bad Boys, que ce soit les Transformers, que ce soit The Island, ce ne sont pas des films très subtils. Et le voir d'un seul coup, essayer de construire un film avec un propos, avec une forme, avec une ambiance, avec un style, et bien ça surprend. Et le film m'a beaucoup surpris lorsque je l'ai vu. La première fois que j'ai vu, j'avoue avoir été sceptique parce que je trouvais la démarche un peu barrée, un peu fumée et pas forcément toujours cohérente. Par contre, la deuxième fois que je l'ai vu, je me suis vraiment dit qu'il y avait l'œuvre d'un cinéaste qui avait envie d'en découdre et de proposer quelque chose de très différent. Et en plus de ça, la petite cerise sur le gâteau, il a chopé Mark Wahlberg. Edwin Johnson, qui sont tous les deux des icônes qui viennent d'époques très différentes, Mark Wahlberg, sa grande époque étant plutôt les années 90, et dwayne Johnson c'était vraiment les années 2010, et eh ben je trouve qu'il a réussi à cristalliser quelque chose d'assez drôle finalement dans leur posture. Enfin, vous regardez les deux mecs, ils ont, des, ils ont des espèces de gueules complètement pétées, ils passent leur temps à avoir des mimiques, ils passent leur temps à faire les mecs fumer. enfin, ça rend le truc vraiment bien allumé et... Et je sais pas, enfin vraiment, ce film, il a une atmosphère particulière dans le sens où j'ai vraiment la sensation que Michael Bay, il s'est dit Ok, je sais que mon pitch, il est pété, mais éclatons-nous et, et, et racontons l'histoire la plus fumée du monde, quitte à ce que par moments, ça fasse un peu de chipouille, que ce soit les plans GoPro, que ce soit l'esthétique où les lumières, elles sont criardes, où les gamins sont poussés à l'extrême, la photographie étant l'une des photographies les plus, je dirais pas sales, mais en tout cas les plus euh, abusives en termes d'effet. Euh, mais derrière, ça permet à la comédie de ressortir comme. Encore plus drôle. Je pense par exemple à un truc tout bête. À un moment, va y avoir le personnage de Dwayne Johnson qui va faire un barbecue. Je vous dis pas ce qu'il y a dans le barbecue pour que vous ne soyez pas spoilés parce que cette séquence est à mourir de rire. Et à ce moment-là, la séquence est tellement pétée que Michael Bay se dit Je vais quand même rappeler que c'est une histoire vraie. Parce que les gens vont se dire Là, c'est du cinéma. En fait, non, pas tant. Et, et cette idée, au milieu de ce film, c'est du génie. Et c'est ça en fait qui renforce. Ma pensée sur le fait que Michael Bay, j'avais déjà fait plein de vidéos autour de lui parce que je trouve que c'est un mec fascinant, ça renforce cette idée que Michael Bay est un cinéaste qui cherche vraiment à aborder parfois, je ne dis pas tout le temps parce que clairement Transformers 5, ça n'est pas le cas, mais parfois à aborder des thématiques complexes dans ses films, pas forcément à toujours réussir à les mettre en valeur, mais par exemple, No Pain No Gain pour moi a été une des Premières bonnes impressions que j'ai eues sur Michael Bay, qui a ensuite été renforcée par 13 Hours, qui lui est vraiment un excellent film, vraiment maîtrisé, vraiment intense, et pourtant il fait deux heures et demie. Mais les deux heures et demie passent hyper bien. Et ici, le film fait deux heures, et honnêtement, c'est deux heures où tout est bien tassé, tout est bien condensé, et tout est clair. Ce qui est assez fascinant en plus, c'est quand vous regardez le making of, vous vous rendez compte que tout le monde s'est éclaté sur ce tournage, qu'il n'y avait pas de pression, qu'il n'y avait pas une comme pour y avoir sur les Transformers ou sur des grosses prods de Michael Bay, il n'y avait pas de pression du studio. Le studio en avait limite rien à foutre, il se disait il coûte 20 millions ton film. On sait que tu vas rapporter du flouze, vas-y, éclate-toi. Et il s'éclate, Michael Bay. Tu le vois sur le plateau, il est vraiment libéré, il, il fait ce qu'il a envie de faire, il s'amuse à cadrer de temps en temps, il en fait des caisses. Les acteurs, eux, ils s'éclatent. Tu sens que Dwayne Johnson, il a envie de s'amuser, il a envie de jouer un petit peu avec sa posture, parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas encore le mec qui aujourd'hui a réussi à conquérir Hollywood. Il était encore un peu dans le tâtonnement, il passait tout juste du cinéma d'auteur à un cinéma plus grand public. Tout ça, en fait, ça renforce l'ambiance. Et l'affection que j'ai pour ce film. Et vraiment, encore aujourd'hui, c'est un film qui est beaucoup critiqué, hein, qui a beaucoup de gens qui ont tendance à dire Ouais, c'est trop con, ça marche pas, c'est abusif, c'est surfait. C'est voulu. Et ça sent du début à la fin. Donc si vous avez l'occasion de remater No Pain, No Gain de Michael Bay ou de le mater, ben allez-y, parce que vraiment, pour le coup, je pense que c'est un des rares films de Michael Bay qui vaut largement le coup d'œil et qui vaut le coup d'être analysé, parce qu'il y a plein de choses qui ressortent du film, que ce soit en thématique, en style, en effet de style, en comédie, enfin... C'est un film qui est très surprenant de la part de Michael Bay. Et je reste aujourd'hui sûr que c'est un des films qui m'a fait tomber amoureux un petit peu du cinéma de Michael Bay, parce que grâce à ça, j'ai vu The Rock, j'ai vu The Island, euh, j'ai vu 13 Hours, et c'est des films que j'aime énormément et que je trouve très intéressants dans le Hollywood actuel. Aujourd'hui, Michael Bay, c'est un des rares cinéastes qui, à Hollywood, a réussi à poser un, un point de vue un peu old school. Et alors que tout le monde va un peu faire la même soupe, lui, il ressort encore un petit peu du lot. Remattez nos pains, de no gagne. Bref. Et ben voilà, nous allons finir avec cet épisode 29 de Au coin du DVD. Comme d'habitude, si jamais vous avez vu le film ou que vous prévoyez de le voir, et une fois que vous l'avez vu, et ben revenez ici, on en parle. Vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non. Et ce sera magnifique. Et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.